Bonjour à tous. Oui, encore un temps perturbé cet après-midi avec des averses quasiment partout. On va regarder pour démarrer la carte des fronts avec donc la perturbation qui nous a concernés hier qui s'échappe vers l'Europe centrale. C'est celle que vous voyez ici en mauve. Et derrière une autre perturbation, c'est ce qu'on appelle un front secondaire. Donc une perturbation un petit peu moins active mais qui apporte quand même des averses ces dernières heures entre le Roussillon remontant vers les frontières du Nord-Est. Même des pluies orageuses, ce sont tous les petits points blancs que vous voyez là. Donc cet après-midi, on retrouvera donc ces averses orageuses entre l'Alsace, la Lorraine, en descendant vers les Alpes. Ils pourront donc donner de la grêle localement, donc ces orages partout ailleurs, à ces averses avec ces nombreux passages nuageux, quelques éclaircies qui vont revenir sur les littoraux. Et entre le sud-est et la Corse, vous profiterez d'un beau soleil avec le Mistral qui va se lever. Les températures sont un petit peu justes pour la saison quasiment partout, sauf sous le soleil en région PACA ou encore en Corse où on va atteindre les 29 degrés. La carte pour demain matin, donc beaucoup d'humidité et donc beaucoup de grisaille entre la Bretagne, Pays de Loire, région centre, en remontant vers les Hauts-de-France. Plus on ira vers le sud, plus le soleil sera au rendez-vous grâce à une petite poussée anticyclonique qui apporte donc un temps calme. Donc vous voyez encore beaucoup de luminosité dans le courant de l'après-midi sur la moitié sud et toujours pour l'île de Beauté. Et sur la moitié nord, de nombreux passages nuageux, quelques averses localement avec l'arrivée encore d'une petite perturbation par la pointe bretonne qui apportera seulement quelques gouttes de pluie. Les températures en matinée, petite fraîcheur du côté d'Aurillac avec 9 degrés, 15 degrés à Paris, 20 degrés pour Bastia. Et puis regardez dans le courant donc de l'après-midi, les températures ne bougent pas beaucoup. On va gagner un petit degré dans le sud-ouest avec 25 degrés pour Bordeaux, 31 degrés, ce sera la maximale si vous habitez à Perpignan. Et puis coup d'œil à votre week-end qui s'annonce très instable avec une dégradation sur la moitié nord samedi, des averses localement orageuses, du soleil sur la moitié sud samedi et dimanche et encore de nombreux passages nuageux sur la moitié nord pour la journée de dimanche. Bel après-midi.